Alors, on dit souvent que Maïmo, c'est une famille. L'ambiance à Maïmo, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs en termes de côté famille qui ressort. Moi, j'ai fait toutes mes années scolaires à partir de la maternelle. J'ai adoré l'école Maïmonide. C'était vraiment une deuxième maison pour moi. J'ai fait des amis à vie. Je crois que les connexions que j'ai formées à Maïmo sont des connexions pour la vie. J'ai encore des belles relations d'amitié et aussi professionnelles jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'on est tellement proche avec nos amis, ça nous permet chacun un avec l'autre d'être un leader pour son groupe d'amis. Donc ça se peut que moi je vais être un leader par rapport à la communauté, mais quelqu'un d'autre va être un leader pour moi en termes de religion. Grâce à Maïmonide, j'ai pu entretenir et préserver mon identité juive. C'était quelque chose de chaleureux, un environnement où j'ai pas trouvé ça dans les autres écoles, qu'on était vraiment libre de vivre notre judaïsme à notre niveau. Au point de vue académique, je trouve que Maïmo m'a très bien préparée pour le cégep et aussi pour l'université. Et ils m'ont donné toutes les bonnes ressources pour que je puisse bien faire. L'école Maïmo est toujours là pour nous aider et pour assurer qu'on est dans le bon chemin. Les profs à Maïmonide ne sont pas que des profs. Ils s'intéressent énormément à ta réussite. C'est sûr que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans mes enseignants, sans mes directeurs et directrices. Un grand merci à eux tous. Merci Maïmo. Merci pour tout, Maïmo.